如果你问我这次在巴黎最难忘的瞬间是什么？ I want to check out your kitchen. Oh, wow. 我一定会说就是行程的最后一天。 在米其林三星 Kisawa 餐厅里的最后午餐 Oh my, it's so pretty to eat And like you have different consistency and different temperature Okay Wow It's amazing只要是对法国美食有兴趣的人，肯定知道这个名字 Kisawa。它把烹饪、香化成艺术的法国美食界代表。它的传统法国烹饪技法与现代感的完美结合，不只是味道鲜美，每道菜肴都让人感觉是一个新颖的艺术作品。它的餐厅非常特别，就位于巴黎钱币博物馆里。 他亲自收集的各类艺术品随处可见，而具有浓厚艺术气息的室内设计，让人仿佛置身于艺术画廊之中。我们当天正好是午饭时间，在大约3个小时的美食之旅中，完整体验了法国餐的9个步骤。 以黑色松露和洋蓟调味的汤，配上松露奶油的 brioche， 冰凉的牡蛎等，这些是 Kisawa 的标志菜。不论在餐厅还是在厨房，主厨 Kisawa 始终保持着热情洋溢，自然地从他手里诞生的每道菜也总是充满着活力，朝气蓬勃。 Je dois considérer que la cuisine, c'est magique. Mm-hmm. C'est magique à plus d'un titre parce que la cuisine, c'est une manière de faire passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. Et tout ça avec sur des produits qui ont été élaborés au fil des siècles, donc qui ont une très longue histoire, et qui ont été élaborés grâce au travail et à l'observation des hommes. Et la France, on est l'un des pays, sinon le pays, où il y a le plus de produits. Et moi, tous les jours, je suis fasciné par le matin, l'arrivée des huîtres, du saumon, des coquillages, et d'avoir la possibilité, à l'heure du déjeuner ou du dîner, de les transformer, et en tout cas d'essayer de les rendre délicieux. Great. It's beautiful. Could you tell me briefly about these dishes? C'est le respect absolu du produit. Dans cette assiette, vous avez des huîtres. Yes, it's oyster. Le fond de la coquille, c'est une purée d'huître très légèrement crémée. Après, l'huître est posée dessus et on fait une gelée avec l'eau des huîtres. C'est de l'huître à l'huître. Ici, dans cette papillote, c'est chaud. Il n'y a que des coquillages. C'est tout. Des coquillages et du poivre. Ici, c'est du saumon qu'on a juste figé sur la glace et qu'on va arroser d'un bouillon brûlant pour avoir le contraste entre le froid, le chaud, le liquide, le moelleux et tout. Parce que pour moi, la cuisine, ce ne sont pas que des sensations de saveur, c'est aussi des sensations de consistance et de température. Pour moi, un plat doit avoir plusieurs consistances. Sur un même produit, on peut avoir plusieurs consistances. Ici, c'est de l'huître,
mais mm-hmm. il y a plusieurs consistances. Mm-hmm. Ici, c'est du saumon, mais il y a plusieurs consistances. Là aussi, j'ai mis des coquillages qui ont des différences mm-hmm. de consistance. Et suivant à quel endroit de la papillote ils sont placés, ils n'ont pas la même température. Mm-hmm. Et ça, c'est tout ce que j'appelle les sensations physiques du goût qui sont très, 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 très importantes. I think it's very interesting because we also have this kind of tool in Asia. Did you also get inspiration from Asia? Oui, l'inspiration vient de partout. L'idée d'un plat, c'est, mm-hmm. c'est d'abord une envie de parce qu'on a vu un produit, parce que lors d'un voyage, on a vu un type mm-hmm. de cuisson. Vous avez raison, la pierre chaude, c'est une inspiration asiatique. Mm-hmm. Oui, je crois que le cuisinier d'aujourd'hui, il doit être en, mm-hmm. en relation et en prise directe avec son époque et avec notre planète où il se passe plein de choses, voilà. Is there like any Asian element you want to try? I heard that there's a lot of Chinese people visit this restaurant as well. Any ingredients or ideas or even art piece? J'adore le riz. En Asie, on dit que c'est une saveur neutre. Moi, je trouve qu'avec les différents riz, j'ai toujours des sensations. J'ai toujours de très très bonnes sensations avec le riz, qu'il soit collant, gluant, cuit à l'indienne, mm-hmm. enfin à la japonaise, mm-hmm. à la chinoise, à la. Je trouve que le riz, c'est ma interprétation. Je crois que ça remplace très avantageusement le pain. Voilà, c'est le pain chez nous, mm-hmm. c'est l'élément, on dit yes. le pain et le vin sont les deux ingrédients élémentaires de la table. Mais moi, je pense que je peux tout à fait remplacer le pain par le riz et puis même faire un plat de riz. Moi, j'adore le riz au petit déjeuner. En Thaïlande, le riz au petit déjeuner, je me régale toujours. Rice is like in Asia, le pain. What is that? It just keeps surprising me. What is this? Is it eatable? It's an art piece. Non, c'est une boule. Is it a small universe? C'est la boule. À l'intérieur, on a des fruits exotiques. Mangue, passion. Mm-hmm. Okay. Okay. Are you ready? Are you ready? Are you ready for the transformation? Je mets Alma. Oui. Wow. It's so pretty. Yeah. Oh, 这现在那个花下来，然后里面有那个很多颜色就出来. Okay. So this is chocolate. 这是巧克力，这是那个甜点. Chocolate. And 我要给你看. Exotic fruit inside. It's very the color. I know. Like you. 今天我就是穿的这个黄色衣服，非常搭配的跟这个巧克力. Taste. Yeah. 我要尝一下. You like? I don't want to go back to New York. Stay with us, stay with us. Un restaurant, c'est quoi? C'est un lieu, d'abord. C'est un lieu où tout est mis en œuvre pour le bien-être des convives. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on doit s'y sentir bien. Alors, c'est vrai que nous avons des convives qui viennent du monde entier, mm-hmm. que tous les jours, on peut être surpris par 18 qui vont être énormes, par des convives qui vont avoir le visage tellement transformé et qui vont nous montrer qu'ils sont contents. Tout ça, ce ne sont que des bonnes sensations au quotidien. C'est que c'est un peu comme une drogue. Quand on connaît ça au quotidien, j'ai quitté le restaurant à 1h30 ce matin. Vous voyez, tout va bien, quoi. Mon moteur, c'est d'être justement en permanence dans cette volonté de bien faire et d'abord de respecter et de transformer les produits et ensuite de rendre tous les convives qui viennent chez nous heureux. What's your next dream? Mon rêve, c'est de faire la cuisine à 100 ans encore, lorsque j'aurai 100 ans, voilà. Ça voudra dire que je suis en bonne santé, ça voudra dire que je suis toujours bien dans ce que je fais, et voilà. C'est trop vieux?
You will, definitely. Yeah, I'll come to Paris every year and check, you know. Yeah. Please stay healthy and happy all the time. Yes, of course. Mais, oui, je pense qu'on reste en bonne santé lorsqu'on est joyeux. Yes, thank heureux, you. Hein, joyeux.